Jeudi 8 mars marqué Journée internationale droit femme dans occasion en plusieurs activités organisées pour honorer bataille pour permettre mesdames yo gen place yo dans société ya. Dans occasion jeudi 8 mars là, président de la République là Jovenel Moïse invité haïtien à haïtien yo pour accompagner dans travail qu'a fait pour gagner un pays juste et équitable envers femmes yo qui c'est potomitan société ya. Mesdames yo mérité vivre dans bonnes conditions selon président Jovenel Moïse. Commission éducation chambre députée a rencontré jeudi 8 mars là ministre éducation nationale formation professionnelle là dossier nomination professeur à professeur qui nommé qui beaucoup touché té dans dans discussion à l'étranger il y a une possibilité pour président américain Donald Trump rencontrer avant longtemps leader nord-coréen Kim Jong Un dossier nucléaire a tadoué dans dans discussion ça yo. Non page sport football troisième match nul pour Racing Club Haïtien. Victoire cosmopolite qui, dans même occasion, a pris tête classement championnat national. Là. À l'étranger, Europa League Milan s'est tombé la Cali alors que Marseille fait victoire face à Atlético Bilbao. Bonsoir tout le monde, nous branchons télévision nationale d'Haïti et bienvenue dans le journal Mi-temps Journée. Pourquoi il est là en ce moment pour nous recevoir collaborateur Noéna Polidor pour conditions météorologiques journées. Nous invitons à suivre. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble pour aujourd'hui pour prévision météorologique journée. Et ce week-end, nous souhaitons déjà avec chaque monde un bon week-end en allant comment situation et sous bassin Caraïbes là. Nous avons un temps qui est très nuageux, situation ça a causé premièrement parce que nous avons un front qui trouve lui sous partie orientale Cuba et front ça supposé arriver sur Haïti à partir de Asoya. Et nous avons un creux qui trouve lui ici sous la mer Caraïbes là qui a prolongement a influencé ces régions sud pays d'Haïti. Ça veut dire qu'on va attendre avec un temps qui venteux au creux. Deux journées avec nuages et nuages ça a persisté en début de soirée, en soirée et au cours de nuit là pour capable bailler la pluie. Et zone qui concernée par la pluie ça c'est département toute région nord, ça veut dire nord-ouest, nord, nord-est, centre Artibonite a bien la pluie pour jeudi et la pluie ça capable même persister au cours de nuit là. Pour capitale avec zone qui environne son capitale qui nuageux en ce moment. Et nuages ça va persister au cours de journée et même pendant le temps pour provoquer la pluie sous quelques quartiers qui environnent la capitale pays d'Haïti. Nous avons gagné une température qui a monté jusqu'à 30 degrés aujourd'hui et puis par la descente c'est 18 degrés Celsius. Nous avons une mer qui agité sous côte nord, côte sud et par rapport avec la situation ça on met gov la Gonave la mer un peu agité et c'est pour ça demander capitaine d'embarcation précaution sous côte nord avec côte sud pays d'Haïti et je dis à soir là a couché à 5h57 minutes et là levé demain matin à 6h03 minutes. C'est ça de gagner pour situation météorologique là. Merci pour fidélité avec attention. N'a croisé semaine prochaine pour une autre page météorologique. Merci William Polidor, j'en ai annoncé l'antite. Jeudi 8 mars, le président de la République, Jovenel Moïse, invité haïtien et haïtien pour accompagner le travail qu'a fait pour gagner un pays juste et équitable envers les femmes qui sont pour tout le temps société. Mesdames, vous méritez vivre dans bonnes conditions, selon le président Jovenel Moïse. L'autre information, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Eunide Innocent, renouvelé engagement gouvernement. Pour accompagner mesdames yo à travers divers programmes ministère a mis sous pied une innocence à les travail organisation femme yo pour faciliter droit mesdames yo respecté dans société a. Ministre Lant a participé dans commémoration journée internationale femme yo non pas de paix. Une cérémonie qui déroulée en présence de la première dame république là, sénateur Dieudonne Luma Etienne, directrice générale IBES et plusieurs organisations femmes dans le département Nord-Ouest. Nous invitons à suivre. Jodi a grand pile travail qu'a fait route là nous dit li encore longue li longue mesdames parce que nous pas capable accepter lorsque mesdames yo a
aller dans l'élection, y a peut intimider yo, le a battement dans yo, le a fait violence sur yo même, y a tiré sur kay mesdames yo, nous pas ka accepter ou de la langue en pile. Mesdames, journée chaudia, nous gen pour devoir pour nous cap mettre tête nous ensemble parce que nous représenter environ 52% dans société hein. Nous représenter en véritable force et force ça nous représenter à nous pas voulez seulement pour les un simple slogan. Mesdames, faut que nous goumer pour violence ralenti jusqu'à ce que le cap dans société hein. C'est pour femme suspendre pour coup de pied dans mes garçons. On coupe pied la gueule la terre, on souffle être ramassé. Journée aujourd'hui, n'a travail pour nous renforcer capacité leadership mesdames yo, pour nous présenter devant la société tant que des actrices pour la société accepter parce que nous connaissons très bien les difficiles dans la société nous de par éducation nous recevoir pour la société accepter femme nan tant qu'on leader pour la société accepter femme nan tant qu'on actrice même s'il gen capacité gan pile moun mesdames nous fait peur parce que yo montre très clairement que toute femme qui fait li fait tout leader dépend dan kaille li donc là nous rive dans position de et de responsabilité c'est poste là seulement qui changer. Mesdames, journée jodi a, nous gagnons pile chance parce que non seulement nous gagnons un président de la République qui sensibilise sur cause mesdames yo, c'est ça qui fait li dit que la marche derrière politique égalité a. Mais l'autre chance nous gagnons encore, c'est que président gagne bon côté, une femme solide, une femme qui sensibilise pour cause là. C'est ça qui fait journée jodi a, 8 mars li pa chita nan capitale là parce que li dit nan question femme nan tout monde compte que ou sorti nan monde que ou sorti en dehors quelle que soit couleur quelle que soit classe ou quelle que soit race ou nous toutes c'est haïtien c'est nous toutes pour qui baille le bras pour cause femme nan avancer. L'autre nouvelle, la commission éducation chambre députée a rencontré jeudi 8 mars là, ministre éducation nationale et formation professionnelle là qui était accompagné plusieurs cadres dans ministère. Dossier nomination professeur et professeur qui nommé qui poko touché était dans mitan discussion yo. Président commission Kitel Jean-Philippe dit au fait plusieurs recommandations by ministre là pour résoudre problème ça qui la cause gain manifestation élèves dans plusieurs régions dans pays a. Cap mandé présence professeur dans salle classe yo. Député Jacques Mel l'a expliqué, ministre l'en bay garanti dans finissement mois mars là, gen un groupe professeur qui pral touché et puis y a traité dossier professeur cap travail qui pou konome yo. En suivant extrait dans micro fait dans confident avec Moïse Wilbridge. Nous avons un mouvement qui a fait dans tout pays à côté professionnel la rue et gen d'abord un ensemble de professeurs pour renommer. Ministre l'a dit nous il y a environ 4000 professeurs qui pour renommer. Et il y a 2700 professeurs qui ont été nommés, mais pour que les gens émergent du budget national. Nous avons l'année passée tout le travail nous a été fait. Et nous avons donné une explication et information pour le dire. Il y était environ 400 et nous avons découvert 33 lettres à mettre sous lui. Et à partir du mois de mars, il y a émergé dans le budget national. Et pour FACAP, le ministre a dit que c'est seulement le troisième cycle fondamental qui a un problème. Le premier et deuxième cycle fondamental, le problème est censé résoudre. Et il y a un ajustement pour les professeurs qui sont dans le troisième cycle. Et très prochainement, il y a un ajustement. Là, nous arrivons dans l'INFP, il y a une négociation qui est entamée et une entente qui vient avec les formateurs qui va le ministère à 2 mois pour non seulement nommer les professeurs, mais mettre plus bonnes conditions de travail. Je dis nous, il n'y a pas avancé avec ça. Et pour nous arriver dans la question du chèque zombie, le ministère a informé nous, il a joint 122 millions de gouttes et il a continué de travailler sur ça pour rejoindre plus de corps déjà, chèque zombie qui est à psychique là. Comme recommandation nous-mêmes nous fait le ministère, c'est que nous demandons pour ne pas avoir un professeur dans le système là, après moi de Massala qui dit qu'il n'y a pas renommé, pour nous dans la salle de classe, pour que c'est le ministère qui a l'autorisation, parce que nous ne pas lever pour aller dans la salle de classe et jongler. Et ensuite, nous demandons pour. Normalement, il y a une attention qui va surtout au niveau de la gouvernance. Il y a une bonne heure de cours qui a gaspillé. Il y a des lycées qui ont plus que 100 heures de cours pour ne pas aller de côté pour faire.
Je pense qu'il faut une meilleure gouvernance de ça. Et puis, nous demandons au ministère pour empêcher que le directeur départemental, l'inspecteur, ait une promotion. Ça va arriver de rôle. C'est le ministère ou le premier ministre qui doit avoir normalement promotion. Et il y a des cas qui relatent plaisance. Il y a un cas qui relatent côté inspecteur de promotion, directeur départemental a approuvé. Sud-Est, par exemple, dans, au niveau Côte des Fers, il y a un inspecteur que le directeur départemental a installé. Je pense qu'il faut nous mettre l'autre dans ça. Et il faut que nous essayer de quitter et avec un pile à technicité que le ministère a lui-même avancé dans le travail. Bon côté par le ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Agenor Cadet dit gen 514 professeurs qui nommé k'ap commencer toucher nan fin mois mars la ensemble dossier professeurs qui a travail qui pou nommé yo ministère a traité dossier sa yo tout ça qui correct pral nommé en 20 longtemps cependant ministre Cadet dit gen plusieurs centaines là-dedans yo qui gen faux dossier la justice pral poursuivre yo yon extrait toujours dans micro Fedner confident avec Maurice Wilwitch. Il y a un problème, c'est les gens qui ont l'air tant mieux pour que j'aime toucher. Il y a 2700 qui ont touché depuis longtemps déjà, qui n'ont pas touché, parce que justement, nous n'avons pas de retracer les tuyaux. Pendant que nous parlons là, il y a 481 qui ont émergé dans le budget, dans le ministère des Finances pour le mois de mars. Donc, dans le période du mois de mars, tout le monde qui a l'air tant mieux pour le toucher. Si tout le monde qui a l'air tant mieux pas touché, connaît son lettre qui n'est pas arrivé à joindre nous, nous ne connaissons pas du tout. Deuxièmement, il y a des gens qui sont dans la salle de classe sans nos lettres de nomination. Nous prenons engagement dans le finissement du mois de mars pour tout le monde qui est dans la salle de classe pourvu que vous qualifié pour avoir une lettre de nomination. Cependant, en même temps, tout, il y a des gens qui prennent code de la justice parce que nous avons plusieurs centaines qui ont faux papiers baccalauréat pendant qu'on est dans la salle de classe pour former des gens. Donc, il faut que nous tracions un exemple dans la société. Donc, nous disons aujourd'hui, l'État prend engagement pour le résoudre le problème. Problème Pronet Sugo, 16-17, il y a 8 départements qui sont touchés. 2 départements seulement qui sont touchés semaine prochaine, c'est NIP avec 100 pour finir avec ça net. Donc, en gros, c'est ça le problème. Et nous disons, nous-mêmes dans l'État, nous prenons engagement nous pour nous résoudre tout problème qui est dans le système. Nan, et nous demandons aux enseignants et élèves qui sont dans la rue, et bien nous prenons engagement nous. Donc, nous disons clairement, il y a touché, il y a pris lettre de nomination et le ministère des Finances lui-même a travaillé sérieusement sur la question arriéré pour nous finir avec le problème ça parce que chaque année, on a pris un gros échec dans l'examen de l'État parce que justement, tant d'apprentissage n'a pas respecté. Nous, même dans l'État, nous dit, je dis à nous, engagement, nous, tout le monde rentre dans la conscience et nous demande, quel que soit le monde, c'est seulement le ministre qui a une délégation ou bien qui a une délégation avec approbation, le premier ministre qui a nommé le monde, directeur départemental, inspecteur, directeur de l'école, pas un droit de nommer moun. Désormais, un monde qui rentre dans la salle de classe ou qui est son autre monde qui n'a pas une autorité qui nomme ou qui met tout là-dedans, son pas une lettre de nomination, eh bien, son jeune zépo. Mais il faut que nous résoudre le problème d'abord dans le mois de mars. Député circonscription Beaumont, John Anous Bernard, exprime satisfaction sous mes gouvernements prend pour toute transaction l'agent fait en goutte sous territoire pays d'Haïti. Parlementaire a expliqué, c'est une pigot décision le gouvernement prend. Même Jean Pizier, l'autre pays, c'est monnaie nationale là qui doit utiliser. Député Bernard, m'a des collaborations tout secteur, en particulier secteur privé à faire, pour application Mesisa. Suivez un extrait dans la déclaration. C'est vraie décision ça, il est capable pas favorable à en classe, à un secteur. Parce que la variation de dollars par rapport à Goudla, là, il est toujours plus favorable à un secteur. Dire au compagnie qui a un contrat avec Cap Touché, qui fait contrat à 50 gouttes pour le payer moun, il est toujours comme l'avenir en dollars, il paye 50 gouttes, alors que dollar vient de monter par rapport à goutte là, il est profitable par rapport à lui-même. Nous saluons la décision ça, parce que il facilite le pouvoir d'achat dans la classe moyenne. Nous battons bravo pour la décision du gouvernement. Qui finalement, un gouvernement qui décide pour stopper les dollars sous Goudla. Et c'est vrai, nous sommes d'accord. Député Beaumont, aujourd'hui, prend position. Parce que le pays a un problème de positionnement. Souvent responsable, homme d'État, il va prendre position. Souvent, il va la lose. Mais nous-mêmes, député Beaumont, nous prenons engagement, nous, aujourd'hui, pour nous dire, nous, derrière le gouvernement, pour décision, ça le prend. Faisant de
Goudla comme devise, l'unique devise qui est devise nationale non, pour toute transaction faite parce que les inconcevables. Décision ça favorable pour Timachanio qui a acheté, vendre en goud, acheté en dollars et puis un dollar qui a monté sur eux chaque seconde. Nous tous nous d'accord, c'est la bonne décision. Nous tous nous d'accord, nous sommes pays. Nous tous nous d'accord, tout pays voisin nous y a tout près. Bah on est combien nous là qui vit là Saint-Domingue. À goudou on va acheter, même à dollar on va acheter en République Dominicaine. Mais nous sommes pays, même là tout pays. Et me pensez bon comment c'est vos signaux ça clair pour nous rappeler que nous sommes pays tout. L'autre dossier dans le journal ça, ministre Santé publique avec population organisé jeudi 8 mars 2018 là, dans l'auditorium faculté médecine et pharmacie dans Yosvaldu en Port-au-Prince, il y a une conférence débat dans l'occasion journée mondiale Rhin. Activité ça a déroulé sous thème le rein et la santé de la femme, un facteur majeur à ne pas négliger. Plusieurs personnels dans le domaine santé et étudiants ont participé dans la conférence ça. Yon intervenant yo nan conférence débat sa, Dr. Odi Meteye, nan interview li accordé télévision nationale, di 13e journée mondiale rayon tombé bab pou bab ak journée internationale lit pour respect droit femme yo, ki se occasion tout pour mettre accent sou femme kak soufri ak maladie rein. Mais vite au suivi un extrait nan micro Falan Delphin. Gagne plus de 140 pays qui a fêté journée sa jodi an. Ça qui est important pour me dire nous, c'est que une femme capable à la fois de gagner toute maladie que un garçon gagne, mais en plus, une femme capable de gagner aussi des maladies qui propres à lui-même, qui sont liées particulièrement à sa fonction de reproductivité. Pour 12 millions d'habitants, nous sommes 6 néphrologues. Mais c'est l'occasion pour moi donc de vous dire que la meilleure façon de nous adresser à nos 12 millions et d'habitants, à nos frères et sœurs, la meilleure façon pour nous de bayo yotikout, mais particulièrement de la prévention des maladies rénales, c'est justement d'organiser des journées de formation qui visaient, un, les étudiants en médecine et les étudiants et les médecins en formation spécialisée, qui visaient aussi les infirmières, qui visaient aussi les pharmaciens, qui visaient aussi les malades pour qu'on compte maladie au plus. Du temps où moi j'étudiais la médecine, il y avait un seul néphrologue. Lorsque je suis revenu, on était déjà à 4 et là maintenant on est à 6. Et il faut dire qu'entre-temps, nous avons reçu, nous avons parmi nous le docteur Exantus qui est une néphrologue pédiatrique. Donc cela signifie, au point de vue personnel médical, nous un petit peu plus qu'avant. Deuxièmement, ce personnel est médical intégré à la Société internationale de néphrologie. Ça permet que, il y a up-to-date dans ce qu'on fait à travers le monde là. En plus, ça permet aussi que ces jeunes des tuyaux pour nous avoir d'autres mondes à faire formation en néphrologie. Ça permet aussi que nous préparer des infirmières spécialisées dans le domaine de la néphrologie et de la dialyse. Ça permet tout que nous montions un centre de dialyse. Ça permet aussi que d'autres centres de dialyse viennent prendre naissance à partir du moment que mon premier centre qui crée l'hôpital général. Dans l'occasion célébration Journée mondiale rayon, responsable Fatma fait dialyse gratis pour plusieurs dizaines de monde qui souffrit maladie insuffisance rénale jeudi 8 mars 2018 là. Test dépistage maladie à Journée sensibilisation, c'est quelques activités responsable au Fatma réalisé pendant jour ça. Selon responsable service dialyse dans l'hôpital au Fatma, Dr Jacques Jeudi, initiative ça a rentré dans quatre démarches y a mené pour permettre population à connait danger maladie rien capable porter la caillou. Nous invite au suivre yon extrait. Direction générale au Fatma de concert avec Centre haïtien de greffe que me représenter, de concert avec le programme national de dialyse de l'OFATMA que me représenter tout. Nous déclarer à partir du mois de mars, 8 mars jusqu'à 17 mai, je nous ai inauguré un bail dépistage gratuit pour tout le monde qui veut prendre dépistage. Un bail mon côté pour faire et ceci sur toute l'étendue du territoire. Ça nous besoin faire dans sens ça. Si mon n'a gagné un problème, nous avons ouais qui s'allier et le ça nous avons arrangé ça nous arrange. On a deux grandes causes maladie rein. D'abord hypertension. Donc on a fait attention, tension le droit haut. Et les premières causes en Haïti. Aux États-Unis c'est diabète, mais en Haïti c'est hypertension. N'a pas observé un coup de pause dans le journal sans pas déplacer, n'a tourné tout de suite après. Le
ministère de l'Éducation nationale et tout partenaire yo fait mettre campagne un programme qui relait l'école zanmi l'hygiène. Mes critères yo l'école doit respecter pour l'état reconnaître li c'est l'école zanmi l'hygiène. Faut que la cour l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut gien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit gien plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gien de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traitée pour élève yo boue. Faut gien séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé cap veiller sous propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école zanmi l'hygiène, c'est BID qui finance l. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Dans le pays de Bodlo, le président américain Donald Trump et dirigeant du régime nord-coréen Kim Jong-un ont rencontré en 20 longtemps. Le président Trump et Kim Jong-un a bien pu discuter sur le dossier nucléaire. Nous invitons à suivre le reportage. Président Donald Trump a rencontré le leader nord-coréen Kim Jong-un après plusieurs mois de mauvaises paroles. Deux chefs d'État ont d'accord pour discuter sur le dossier nucléaire. Un sommet historique Pyongyang a essayé d'organiser depuis 20 années qui est capable de mettre lumière sur le dossier nucléarisation Corée du Nord. Kim Jong-un promet pas de aucun essai nucléaire ou bien test missile pendant le sommet. Il dit qu'il comprend l'exercice pratique militaire République Corée et États-Unis doit continuer. Pendant le précisé des IPAL, c'est pour rencontrer le président Trump plus vite possible. D'après Jong Eun-young, conseiller président sud-coréen, président Trump confirmé rencontre ça sur compte Twitter, il qualifié c'est un gros progrès, même s'il toujours qu'un des sanctions contre Corée, si pas gain aucun engagement ferme qui prend. Dans le dossier sport, football, troisième match nul dans le Pressing Club, victoire cosmopolite qui, dans la même occasion, prend tête classement championnat national. Et puis à l'étranger, Europa League, Milan AC tombe la Cali, alors que Marseille fait victoire face à Athletic Bilbao. Jeudi 8 mars, marqué Journée internationale des droits femmes, dans l'occasion, plusieurs activités organisées pour honorer la bataille pour permettre mesdames et messieurs de place dans la société. Dans l'occasion, jeudi 8 mars, le président de la République, là, Jovenel Moïse, invité Haïtien et Haïtien pour accompagner le travail qu'a fait pour gagner un pays juste et équitable envers les femmes qui se potomitent en société. Mesdames, vous méritez vivre dans bonnes conditions, selon le président Jovenel Moïse. Commission éducation, Chambre des députés a rencontré jeudi 8 mars, le ministre éducation nationale et formation professionnelle, là, dossier nomination professeur et professeur qui nommé qui beaucoup touché, qui nommé dans la discussion. À l'étranger, il y a une possibilité pour le président américain Donald Trump de rencontrer avant longtemps le leader nord-coréen Kim Jong-un. Dossier nucléaire a doué dans la temps discussion. Et bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bon week-end tout le monde.